Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur Minecraft en 1.13 et je suis en train de générer une nouvelle map. Pas pour faire de la survie, non, j'ai pas trop envie pour l'instant, mais pour voir si sur cette nouvelle map, je me paye du mauvais temps en permanence comme sur la précédente que j'avais créée et que j'ai supprimée. Voilà. Parce que c'était vraiment pas drôle d'être toujours sous la pluie. Et puis sur cette map en question, je n'ai pas trouvé de biome jungle. Je ne pense pas que... Waouh! Je ne pense pas que Minecraft a supprimé le biome jungle. En tout cas, ça me ferait bien... Suis. C'est pas forcément ça que j'allais te dire. Sur le biome jungle, même si je kiffe pas des masses, a quand même énormément d'intérêt. Voilà. Waouh, c'est beau! Waouh. Bon, en 1.13, on n'est pas là pour trouver des endroits super magnifiques. Regarde la cascade de lave qui se crée sous nos yeux ébahis. Les cascades, parce qu'il y en a une là. Sur la droite, il y en a même deux sur la droite. Allez, plonge! Plonge! C'est comme dans Fort Boyard au moment où ils doivent sauter et qu'ils arrivent au bout et qu'ils disent « Ah, je peux pas !» Et qu'on ferait tous pareil. Enfin, peut-être pas tous, mais moi. Voilà, c'était le petit passage de Fort Boyard. Allez! Ben nous voilà dans un biome taïga déjà. Et pour l'instant, attention, c'est combien de temps qu'on est là? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en attendant, eh ben il fait même pas mauvais temps. Question également, y a-t-il toujours des temples du désert? J'avoue que j'ai pas énormément. Putain! Pardon, purée! Oh! Mais c'est quoi ces endroits de folie? J'ai pas énormément visité les biomes déserts. J'aime beaucoup ce bloc qui vole. Cherche comment le faire une capture d'écran pour bien le voir. Eh ben nickel. Et encore une cascade de lave qui se crée sous nos yeux. C'est type un merveilleux. Bon, allez. Donc, la nouvelle question que je me pose, avons-nous toujours des temples du désert? Je ne vois pas l'intérêt d'avoir supprimé ça, alors que c'est sur Minecraft depuis le début. Mais j'en ai encore pas croisé. Et ils viennent pas vers moi, tu me diras en même temps. Ils me cherchent pas non plus, hein. Donc, c'est pas drôle. Ils se disent, Orphée, oh non, mes petites youtubeuses, c'est pas la peine de se faire chier à apparaître. Mais si, c'est la peine. Mais si, c'est la peine, les mecs. Oui, parce que je parle avec les temples du désert. Ouais. Et pour l'instant, ma map Ramsès 2 est en pause, parce que gros manque de créativité, d'inspiration et... Et PNJ? Oh purée, que c'est dommage! J'ai supprimé ma map, mais j'avais un stuff assez conséquent sur moi que j'aurais pu mettre dans leur coffre. Toi, t'es géante. Ah, déjà, on a des murs. On a des murs. Ouais. Et là, on a un bloc volant. Violent. Déformation mamanesque avec ma fille Violette. Qui n'est pas avec moi là parce qu'elle est en train de faire une petite siestoune. Par contre, le truc qui reste et qui est quand même très dommage, c'est ce bâtiment totalement en pierre.
Je suis désolée, mais c'est moche, c'est moche, c'est moche. Je sais qu'on a du sable à la surface et de la pierre en sous-sol, mais il n'aurait pas fallu faire ça. Je pense qu'il y a des moments où il aurait fallu corriger des choses. C'est vrai que je suis avide là, j'avais oublié. Tu te fous de ma gueule, toi, le truc. Mais non. Ah, j'en ai marre. Bon, allez. Oh, ben saute pas, j'arrive. Oh, il est con, lui. Ah, il est malin. Voilà, je te fais des marches. Machin, il dit, moi, je suis un gueudin. Bon, attends. Arrête, fais pas n'importe quoi à te jeter dans les murs. T'as vu là-haut comme c'est beau? Il y a l'arc de triomphe. Attends, on ferait ça, ça sera encore plus beau. L'arc de triomphe. D'ailleurs, je voulais le démonter, mais je le démonterai même pas. Si, les lapins, on en a toujours dans le désert. Ce que je m'étonne moi-même. Je suis un peu occupée avec le 1.13 et les fonds marins. Mais je ne suis même pas vraiment venue visiter les temples. Ben non, je n'en trouve pas. Les biomes déserts. Alors que c'est toujours intéressant à voir. Hop là. Ah ben dis donc. Je sais pas si tous les biomes déserts sont space comme ça. Mais celui-là est quand même pas mal. Bon. Temple, viens à moi. Je t'ai dit que tu pouvais venir. Mais je crois qu'il va pas vouloir venir. Même pas. Il dit, t'as abandonné Ramsès II. Oui, j'ai abandonné pour l'instant. J'y retourne après. Pour l'instant, je suis en grave panne d'inspiration. Marc Phoenix ira à la bibliothèque me rechercher un livre. Ça va m'aider à avoir des idées et je vais continuer. Parce que quand même, ça serait bien que j'arrive à plus d'épisodes. Là, pour l'instant, voilà. Mais ça me demande beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'en ai pas des masses. Et puis en ce moment, c'est les vacances scolaires. Donc je profite de mes filles au maximum. C'est quoi ça là-bas? Encore un truc bizarroïde? Eh ouais. Encore un truc bizarroïde. Les blocs volants, franchement, je suis très très contente que Minecraft ne les ait pas supprimés. Même si je sais que certains sont très nombreux à râler à cause de ça. Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, tu vois un bloc volant, tu te dis putain, faut que j'arrête la bibine. Mais où je commence? Parce que moi, il y a des fois, je me dis, oh, faut vraiment que j'arrête de boire. Je ne bois plus pas. Avant, je buvais un petit peu une fois de temps en temps. Avec mon nouveau traitement, je ne supporte même pas un fond de verre de vin. Et ça me rend bien malade dans ma tête. Ça m'emmerde vraiment. Tant pis, il y a pire dans la vie. À la limite, c'est le chocolat que je supprimerais de mon alimentation. Là, je pourrais être un petit peu désappointé, mais non, non, non. Mais bon, bref, retournons à nos moutons. Temple du désert, où que t'es. Parce qu'on a quand même plein de choses magnifiques et je me dis que si on. Mais ça vole, ça encore. Purée, le nombre de blocs volants qu'il va y avoir sur mon blog. J'ai failli dire mon blog volant. Bon, allez, on va continuer un petit peu dans le désert, voir un petit peu ce qu'il y a et si on trouve un temple.
Vache. Être un pirate. C'est très chouette. Non mais faut que j'arrête avec ça. Les as de la jungle occupent pas mal mon esprit. Je demande à Gilbert s'il n'a pas une solution contre ça. C'est le village que j'ai trouvé tout à l'heure, je suppose. Je n'ai point éclairé. Et c'est pas le village de tout à l'heure. Parce que nous avons déjà une maison qui est complètement excentrée. Et nous avons une forge. Forge qui est toujours en terre, en pierre, bien évidemment. Voilà, on va éviter que les monstres se fassent un plein ventre. Surtout que là. Il y a un petit peu du monster. Ah, hop là. Allez, on va aller voir ce qu'il y a dans la forge. Salut les mecs, je vais juste visiter. J'ai posé un bloc, je crois. Excusez-moi. Eh ben dis donc, obsidienne, pain, fer, godasse en fer. Nickel. Pas mal les mecs, ça va bien? Oui. Vous avez pas un temple quelque part? Parce que là, à part avoir un village méga dangereux, je sais pas ce que vous faites dans la life, hein, mais. Bah oui, là tout va s'écrouler, Orphéa, si t'avais un cerveau, tu aurais pensé. C'est pas grave, ça va être long, mais on va y arriver. Hop. Non, mais c'est bon. Ou pas. Voilà. Bon, allez. Bon, ben, puisque c'est comme ça, je vais repartir à ma maison, hein. Vous avez rien qui éclaire votre village, vous, quand même. Donc en gros, il va falloir que j'aille chercher une torche. Oh, pardon. Pour dire que je suis venu déjà. Et que je suis parti par là. Voilà. Allez. Tchuss les mecs. Je retourne à la recherche d'un biome. D'un biome. D'un temple. Biome champignon à 1.13. J'ai déjà trouvé. Ça existe toujours. Mais. C'est vrai que la question du temple du désert. Si vous en avez déjà croisé et que vous savez donc que ça existe encore, dites-le moi. Ça va pas. Je préférerais en trouver un moi-même, mais là, au rythme où ça va, j'ai comme la vieille impression que je vais pas en trouver. Là-bas. Il y a quand même énormément de choses hein, sur le 1.13. Donc. Donc je me dis qu'à un moment, ils vont peut-être avoir supprimé quelque chose. Mais pas le temple du désert. J'ai cru qu'il y avait une maison de noyer. Bon, ben voilà. Pas de temple du désert à l'horizon. On va faire ça un petit peu dans l'autre sens. 2 secondes. Oui, je repars en arrière. Waouh. Hey. Il y a bon là. Puis j'aime beaucoup l'utilisation massive des trappes. C'est une très très bonne idée pour faire plein de choses. Et bon.
Oh tiens, je vais tout prendre comme ça au cas où je retrouve des PNJ, je leur mettrai ça dans leur coffre. Hop, merci beaucoup. Tiens, je te casse. Ah bah toi aussi, allez. Ça, je casse tout. Y a une autre. Non. Non. On n'a qu'un seul coffre alors. Ah, ou alors fallait venir là. Non, c'est où j'étais. Donc voilà, c'est fini. Dans quel sens j'allais? Parce que j'aime bien le morceau là qui dépasse. Ça suggère juste. Au moment où tu passes, sur le coup, je me suis dit, tiens, là, amorce, comment 1.4 avec dans Zoocraft. Oui, je sais, je vais vous gaver avec ça. Mais ça a été une partie de ma vie sur Minecraft qui a été formidable. Et j'adorais quand je croisais un morse. Souvent, ils étaient sur la terre, au milieu du nid. Et voilà. Bon. Bref. On va peut-être s'arrêter là, parce que là, on est parti sur un biome montagne, forêt. Enfin, un biome comme ça. Et... T'as des failles sous-marines. Oh. Tac, c'est pas le bon bouton. Attends. Oui, je sais, t'es un dauphin. Vision. J'adore l'effet quand on lance. Eh ben oui, eh ben non. Eh ben si. Eh ben oui, eh ben non, eh ben si. Magnifique. Tiens, le coffre est accessible direct, on va aller le voir. Waouh, je prends tout encore pour donner au PNJ. Ça, c'est. Ça vaut le coup quand même. Enfin, faut quand même risquer sa life hein, pour descendre, mais bon. Quoique, je me dis qu'il faut faire une colonne en bois et tu mets une échelle. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Qu'est-ce que je suis blanc, bête? Hop là, j'étais plus sur ma souris, donc oui, je suis vraiment bête. J'étais plus sur mon tapis de souris, pardon. J'étais accroutie. Parce que là, ça, c'est quand même. C'est quand même immense, hein. Avec le dauphin qui nage, c'est génial. Je suis hyper contente du 1.13. Sûr, il y a des choses qui me font râler et il y a des choses qui me manquent. Avec Atmos, on avait les baleines. C'était géant de nager avec les baleines. Waouh! Bon, la vidéo, elle va s'arrêter en quelle année, Orphée? Précise, s'il te plaît. Because là, on a des choses à faire. Genre, peut-être c'est l'heure de manger ou de vivre sa vraie vie. Et de sortir de YouTube. Remonte! T'as vu comment que j'ai failli replonger? Bon. Oh, non, j'ai rien vu. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette très longue vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Je vous embrasse bien bien fort. À plus tout le monde.